Donc là, on est dans l'antre d'Hathor. Hathor était donc cette déesse qui a allaité Hatshepsut selon la légende, bien sûr. Et ça, ce sont les premiers piliers hathoriques que l'on ait retrouvés, avec sur les murs des représentations d'Hathor aussi et d'Hatshepsut. Et puis ici, évidemment, les cartouches, des représentations de la ville et les signes de la divinité et de la royauté. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des piliers hathoriques qui ont été construits plus tard sur des temples qui ont été aménagés par Hatshepsut ou par ses descendants. Donc à Aswan, en Nubie également.